Bonjour, je vous fais découvrir les bébés poussins. La fille Bérangère a eu 15 ans et pour son anniversaire, on a pensé lui faire une surprise en lui offrant des petits bébés poussins. Car le renard qui habite à côté de chez nous s'est servi dans nos poules et on a mangé deux. C'est normal, hein. Ça fait partie de la nature. Ça fait partie aussi de la nature de remettre des nouveaux bébés et une nouvelle petite poule ici. Alors vous avez vu, il y a déjà son petit bec, ses deux petits yeux. C'est toutes des petites poulettes. Alors bien sûr, elles ne cocottent pas, hein, elles font cuit-cuit. Il faut surtout bien leur mettre de l'eau, mais de l'eau avec un récipient spécial pour pas qu'elles se noient. Et puis après, un petit peu de gras. Et surtout, une lampe, tu vois, qui donne la lumière rouge parce qu'ils ont besoin de beaucoup de chaleur. Parce que leur maman n'est pas là. Donc, la maman, elle réchauffe d'habitude ses bébés. Là, vu que c'est nous qui les remplaçons, il faut un petit peu s'en occuper. On leur demande de la chaleur. Alors, ils viennent déjà, comme leur maman, comme vous vous rappelez, comme les grandes poules. Si on met du grain, normalement, elles vont venir picorer dans la main. Qu'est-ce qu'il veut picorer dans ma main? Ah, là, elle picore. Allez, venez picorer. Oh, bah toi, tu pousses tout le monde. Oh, dis donc. Hop. Ah, bah voilà, là, t'es sûr qu'il n'y a personne qui prendra ton grain. Et je picore du grain. Ils sont adorables. Ils se chamaillent un petit peu. Alors, le carton est long, ce qui permet, quand ils ont froid, d'aller se mettre sous la lampe. Quand ils ont un peu chaud, de s'éloigner de la lampe. On peut passer des heures avec. Allez, regardez. T'as vu, il y a déjà ces petites ailes. Voilà. Bon, je vais arrêter de les embêter, hein, quand même. Ils ont déjà bien grandi, ils sont déjà bien sages. On voit qu'il y a des couleurs un peu différentes. Ils sont jaunes poussins, mais il y en a des plus foncés, des plus clairs. Certains ont déjà des petites ailes toutes blanches. D'autres ont des ailes un petit peu grises, comme celui-là. Ils te regardent bien, ils connaissent bien. Hop. Alors, je me permettrai de faire une vidéo dans une semaine et tu verras qu'ils auront bien grandi. Au revoir les petits poussins.